Alors cet après-midi, nous venons de remettre des lunettes aux élèves des écoles primaires de toute la ville de Djibouti. Et donc c'est avec vraiment avec beaucoup d'émotion, aussi d'une part une fierté. C'est une première, les enfants, les élèves viennent de le dire, parce que très souvent et malheureusement, le fait que certains élèves n'ont pas été détectés très tôt, de manière précoce, on arrivait bien sûr à avoir des élèves en échec scolaire. Mais depuis maintenant 2 ans, l'occasion, je remercie mon ami et mon collègue, le ministre de la Santé, qui maintenant, ça fait 2 ans, depuis maintenant 2 ans, régulièrement, nous diagnostiquons les élèves de première année. Ça a été fait cette année, ça a été fait l'année dernière, pour vraiment voir les pathologies existantes chez nos élèves de première année. C'est la première fois que nous distribuons des lunettes aux enfants qui ont un problème de vue de la République de Djibouti. Mais les régions ne sont pas en reste également. Nous allons organiser une cérémonie également de remise des lunettes très prochainement dans les régions. Parce que chaque région était concernée et tous les élèves de la République de Djibouti, à peu près ce sera 3000 élèves. 3000 élèves vont recevoir donc ces lunettes. Des lunettes de vue. Vraiment, je trouve mon bonheur quelque part en voyant tous ces enfants porter des lunettes. Et surtout, je sais que ça va énormément impacter sur leurs résultats scolaires.